Les gars, j'ai oublié de vous dire une chose. Hein. Le décès de Dan Marcel du groupe Two Boy, là, ça doit nous interpeller dans quelque chose. Hein. Parce que toutes les informations sont concordantes en disant que, oh non, ils l'ont empoisonné. L'homme est méchant. Hein. L'homme est mauvais. Hein. L'homme noir au ventre rond, au nez pâteux que vous voyez là. Il a un mauvais fond. Hein. C'est-à-dire, tu marches avec quelqu'un que tu dis que tu aimes. Et la personne commence à voir ta réussite. La personne se dit, il faut qu'on te tue. Vous vous rappelez, il y a une vidéo que j'ai vue sur TikTok où c'est un jeune même qui a filmé. Il avait une BMW. Et pendant qu'il était au volant, son ami a attrapé le volant pour tirer le volant pour aller faire un accident. Son ami. Il n'y a pas de palabre entre les deux. C'est lui qui fait tout pour son frère sang. Pour son ami. Mais il a voulu le mettre en problème en le faisant tuer par accident. La vie dans laquelle nous sommes là, si tu veux aller loin, il ne faut pas avoir d'amis. L'amitié n'existe pas. Les gens qui marchent chez toi, c'est parce qu'ils n'ont rien. C'est parce que tu n'as rien. Le jour où tu as commencé à avoir de l'argent, c'est là que tu vois les vrais visages. Soit ils voudront te tuer, soit ils voudront t'empoisonner, soit ils voudront te coller une image. Il y a combien de femmes qui aujourd'hui ont rencontré des vrais hommes? Elle arrive déjà à l'argent de sa copine. Ah, mon gars m'a donné 500 000 francs. Et c'est qui? Au lieu que ta caméra soit contente, tu dis, pardon, ma soeur, faut bien l'attraper. Parce que grâce à toi aussi, moi aussi, je peux manger un peu. Elle va vouloir savoir qui c'est. Elle va créer un faux compte, aller rentrer dans son PV. Commencer à lui dire que toi, tu es une bordel. L'amitié n'existe pas, les gars. Arrêtez-moi ça. Voilà, tout boy est mort. Marcel est mort comme ça. Qui a empoisonné Marcel? Voici la question qu'on se pose. Qui va le consoler sa mère? Et je vois des bâtards spirituels. C'est dans ça que vous allez commencer à venir à parler d'une affaire d'orientation sexuelle et autres, des choses dont vous n'avez pas de preuves. On dit que quelqu'un est mort, on doit compatir à la douleur. C'est dans ça que vous allez vouloir profiter pour raconter votre... Arrêtez ça! Arrêtez ça! Sinon, ce qu'on se montre sur TikTok, là, moi, des choses avec lesquelles je ne joue pas. La mort, c'est la seule chose avec laquelle on ne joue pas. Dan Marcel, je n'ai pas vu un jeune dans le milieu du showbiz qui est aussi respectueux que lui. Non. Non, il n'y en a pas. Imaginez l'état de Josat. Même son ami avec qui se sont séparés de Two Boys. Imaginez son état. Que voulez-vous? L'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Et nous sommes dans une année 2024. Vous qui n'êtes pas en train de jeûner et prier, là, vous allez regretter. Hein? Même si tu as vu 2025, tu as dit tout le fond qui est en toi, ils auraient tué ça. C'est pour ça que je vous donne un conseil. Prenez 3 jours de jeûne. Dimanche, lundi, mardi. Moi, ce soir, je serai en live. Mais je vais vous donner un simple conseil. Moi, j'ai perdu beaucoup aussi hein, en 2024. J'ai perdu mon compte TikTok de 2 400 000 abonnés. C'est une partie de ma vie qui a été touchée. J'ai perdu mon grand frère, même père, même mère. J'ai enterré la mère de mon fils, Mathieu, le mois dernier. Donc, nous sommes dans une année maudite. Ceux qui vont voir cette vidéo, je vous en prie, veuillez vous abonner sur ce nouveau compte TikTok. Ce TikTok sur lequel vous verrez, pardonnez, abonnez-vous. Parce que je veux me concentrer sur le spirituel. Je veux tous les soirs vous parler de comment vaincre la sorcellerie dans vos familles. C'est très important. Parce que tous les buzz d'Archi et autres là, ce sont des œuvres de distraction pour que les sorciers nous tuent. Le diable utilise ces scandales pour nous distraire afin de nous conduire à la mort. Je vous en prie, soyez intelligents. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le 13
traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.